Bonjour à tous. On était donc en train de terminer la muraille. Alors, dans la précédente vidéo, je disais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas démarré le serveur Minecraft. Je suis en train de me dire que on n'est pas prêt de le redémarrer. Enfin, en fait, là c'est pareil, je vais le mettre en arrêt probablement dans une semaine ou deux. Et je pense en fait qu'il va pas redémarrer avant 2 mois parce que je vais tout simplement être en plein déménagement. Donc, de toute façon, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais là, je pense qu'il va subir exactement la même chose. C'est-à-dire un bon arrêt pour quelques semaines, voire un mois ou deux, quelque chose comme ça. Je pense qu'on peut bien parler de 2 mois. Ouais. Ouais, encore 2 mois, ça veut dire si les choses se passent bien. Après, bon, si jamais, de toute façon, mon déménagement traîne plus, je pense que je verrai pour. Oh non! Ah ça c'est chiant, tant pis. Je pense que je verrai pour tout simplement installer mon ordi là où je serai avant mon déménagement en fait. Parce que bon, ce serait un peu dommage, même autre chose que pour le serveur. Tout simplement, j'ai envie de jouer en fait. C'est aussi bête que ça. Est-ce qu'il y a des escaliers là-dedans? Pas escalier. Il y a des slabs par contre. Putain, dégoûté pour le petit machin, je vais le refaire. Avec la hache dans la main, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors, on va remettre le bouton. Tac, merde. Voilà. Hop. Alors j'espère juste que le déménagement se passera assez vite, que je puisse même autrement que redémarrer le serveur, que je puisse vous faire des vidéos surtout sur les autres jeux. Parce que Minecraft en ce moment on est un peu inactif, mais il y a une partie de volontaire. Hein. C'est tout simplement on y joue beaucoup moins. Même on n'y joue pas en fait en ce moment. C'est pour ça j'en profite pour la muraille parce que ça au moins ce sera fait. C'est me connecter quand il y aura tout le monde, quand on aura vraiment démarré le serveur et me dire que faut que je fasse la muraille. Bah non, en fait. J'ai pas méga envie de me coltiner ça au moment où on aura vraiment envie de se faire de bonnes parties dessus. Alors, juste regarder le pattern. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 blocs entre chaque. Ouais, 5. Ah bah il y a combien? Là il y a 5. On va mettre 5 plutôt, je pense que là-bas j'avais fait 4 probablement involontairement. Quand je dis que de toute façon le pattern ne reste jamais le même, en voulant encore une preuve. Alors, comment on va se faire ça? Déjà il va nous falloir un escalier, je pense qu'on va pouvoir le démarrer ici cet escalier. Hop, voilà. On va se mettre les petits murets tout le long, histoire qu'on se pète pas la gueule nous aussi. Hop, avec une torche régulièrement, on va pas se mettre les cailloux pleins, puisque de toute façon, le problème étant que ça permet de faire passer les villageois par-dessus. Or, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Par contre, je suis en train de me dire qu'on va peut-être surélever un peu ce côté-là de la muraille. En plus, on a largement, c'est de la pierre, donc on s'en fout. Oh, petite armure enchantée, monsieur. Comme ça, on pourra carrément accéder au toit de cette maison depuis la muraille. Ce qui finalement donnera un petit cachet à la maison. Voilà, on pourrait la revendre 2 fois plus cher sur le bon coin. Mais oui, mais c'était sûr. Moi, je l'avais dit aussi. Alors, tac, escalier. Ouais, on a plus d'escalier, mais. Honnêtement, pour un ou deux, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Hop. Et voilà, mais c'est. Limite d'ailleurs, je suis en train de dire. Oui, ils sont un peu plus bas. On avait laissé ça à ce niveau-là. On va se poser les blocs tout de suite. Déjà, ça va empêcher les. Ça va être spawn-proof. Il me fait marrer ce mot spawn proof. Bref. Il en faut peu, hein.
Il en faut très peu pour être heureux. Alors, on va se poser ça là. Voilà. Petite torche tous les... Je sais pas. Alors, j'ai remarqué... Ah oui, c'est vrai. J'avais mis un truc comme ça là. Alors, 1, 2, toc, toc, toc. Ouais, bon, ça a pas l'air de façon régulière pour l'instant. On va pas se le mettre de façon régulière tant qu'on n'aura pas tout posé. Toutes les structures, etc. Toc. Mince. Merde. Toc. Je crois que c'est deux de large, de toute façon, la muraille. Eh ben, il y en a du monde de l'autre côté, hein. Un cosson, j'entends la populace. Tac, tac, tac. Et on va fermer ici. Non, pas là par contre. Sinon, ça nique le pattern. Déjà qu'on a du mal à me maintenir fixe, le petit pattern. Alors, on va se mettre... Je n'en vois rien passer là-bas. Tac. D'abord se mettre ce petit bloc là, voilà, ça fera plus propre. Oula, beau jeu, le petit bug ça. Mais dites-moi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, je pense qu'on va sauter à chaque fois, hein. Parce que pourquoi pas. Alors par contre, ceux-là, à chaque fois, ils sont dans l'autre sens. C'est bien d'avoir une vue sur la muraille un peu plus loin. Merde. 2, 3, 4, 5. Merde. Bon, on va remonter. Hop. On va rajouter un peu de terre ici parce que ça fait vraiment dégarni là. On va enlever ce bloc là, à la limite. On va le foutre ici, voilà. Une petite slab là, ça serait pas mal. Un petit sol là, voilà, ça va faire mieux. On n'aura pas ce qu'il faut pour faire toute la longueur là, c'est pas possible. Il y a plus que 10 blocs. Tac, merde. Surtout si je fais ce genre de truc, heureusement, on peut les récupérer assez facilement là où on est. Voilà, bon, déjà, on va faire ça. Ce sera déjà ça de fait. 2, 3, 4, 5. Voilà. Ah, le poids qu'on est en train de bouffer avec cette construction. Alors, je pense que là, on tombe. Alors, ouais. Alors, ça, il va falloir qu'on voit un peu comment on l'attache à la maison. Ouais, hein, voilà. Je pense qu'on s'en bat un peu les couilles en vrai. On va juste nettoyer ça, histoire que ça fasse plus propre. On va se mettre de la pierre ici. Tac, Marinello. Tac. Ah, j'ai dans la tête cette musique. Alors, on a un pilier ici. Ouais, on doit avoir un pilier ici à peu près. On s'en fout un peu, les torches, on les pose un peu où on veut. 1, 2, 3, 1. Merde. 1. Ah non, si c'est ça. 1, 2. 1, 2. Décalage à la fin, c'est pas bien grave. J'ai hâte de faire la map aérienne de la ville. Ça aussi, il faudra qu'on se le fasse un de ces quatre dans un avenir pas trop lointain. Alors, on va se faire des slabs tout de suite. Non, on va se faire d'abord, on va se finir d'abord ça. Mais taisez-vous, les petits zombards là, ça suffit, oui. Ils font les durs comme ça là, mais en face, il n'y a plus personne. Hein. Alors, tac.
1, 2, 3, 4. C'est ici le cinquième en fait. Donc ouais, je pense qu'on va se compléter ça pour que ça fasse un peu plus costaud quoi. Donc le cinquième, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais se le mettre là. Après, oh là, on veut se faire un petit escalier, ma foi. Je pense qu'on peut même se le faire en pierre, parce que de toute façon, on a que de la pierre sur soi. Alors, est-ce qu'on a des slabs? J'en ai récupéré tout à l'heure, oui. Eh ben très bien, ça va quelque chose, ça. Voilà. Tac, tac, tac. Tac. Faut une petite cachette. Se remettre une torche là quand même. Voilà, il y aura une petite cachette là en dessous. C'est pas mal ça. Bon, il va falloir des slabs en bois par contre. Parce que là, c'est pas possible. Alors ça fait quoi si... Ok, on peut au moins récupérer les slabs de cette façon. Ok. Alors on n'a pas de fantômes, alors ça tant mieux, sinon je serais clairement allé dormir parce que là j'ai pas du tout envie de me bastonner avec les fantômes pour le plaisir. Surtout avec une hache en pierre quoi. Enfin remarque oui j'ai dormi à la nuit précédente donc c'est assez normal en fait. Alors, on va se compléter ça comme ça. Voilà, je pense que là, on peut se mettre une bonne grosse bûche dans ce sens-là. Voilà. Là, on peut se mettre ça. Et là, on va se mettre une bonne grosse bûche dans l'autre sens. Voilà. Comme ça, on a un accès au toit depuis ici. On va marquer avec les torches. Va se mettre une torche au bout. Alors comment j'avais fait au bout? J'imagine que... Aucune idée en fait. En fait, il n'y a pas de bout à chaque fois. C'est la première fois qu'il y a un bout, je crois. Sur les autres, le bout, ça devait être un escalier ou des choses comme ça. Merde. Ah, caramba! Les casser par en dessous. Ah yes, c'est des demi qui complètent pas un bloc entier. Bon par contre là-bas faut qu'on trouve un truc à se faire. Hop, et on terminera la muraille par là-dessus. Ah mais je pense que... Chier. Oh tant pis, on va décaler le pilier d'un et puis c'est pas grave, on cassera pas les couilles. Je sais pourquoi c'était mieux sur les autres. Tout simplement le pilier qui était décalé. Et on faisait une fermeture. On va dire classique avec le schéma de mis en place par le reste. Tac. Voilà. Bon, j'ai la flemme d'aller craindre des escaliers. Hein. De toute façon, ça marche pareil. Voilà. Ouais, pareil. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Lui, il doit être tombé d'une flaque d'eau pour pas mourir comme ça en plein jour. Tac. Ben, on est bien là. Eh ben, je pense que la muraille est terminée en fait là. Ah, par contre, on va se torcher en dessous. Ah non, on n'a pas fait la façade extérieure.
trop facile là. Évidemment. Il manque la moitié du taf. Alors, il va nous falloir des slabs. Ah, mais c'est à ça que servaient ces slabs là. À s'en refaire quelques-unes. C'est bien, il y a des tables de craft un peu partout en ce pays. On va se les mettre autour voilà, des piliers. Merde. Tac, slab comme ça. Ouais, bah là on est pas mal. Alors là, on va juste se péter celui d'en dessous. Voilà. Comme ça, ici, c'est possible de passer. Puis là, bah écoute, ils font le tour, ils ont qu'à pas faire chier. On va juste casser le bloc d'en dessous, parce que sinon, c'est un peu moche. Voilà. Alors, tac, ici. Bah en fait, je pense qu'on va niquer un peu le schéma pour cet endroit, parce qu'en vrai, ça s'y prête pas du tout. C'est super moche, en fait, si on fait ça, comme d'habitude, comme aux endroits. Alors, tac. Il va nous falloir ici, dans la façade. Alors, une question que je me pose, moi, c'est est-ce que ça monte jusqu'en haut dans la façade? Tac. Non, ça monte pas jusqu'en haut. C'est un mur de pierre. En haut, c'est de la pierre. J'ai pas perdu une bûche de l'autre côté quand même. Oh, j'ai trop la flemme d'aller chercher. Et pourtant, c'est une bûche. Tant pis. Alors, putain, je me rappelle plus du tout comment c'était fait de l'autre côté. C'est à même le sol et juste posé comme ça. Ok. Alors. Tac. Alors les vitrées sont où? Les vitrées sont là. Ok. Et ici, les bûches. On a combien de bûches encore? Plus que 10? Ouh, ça va être compliqué. Voilà. Oh oui, puis là en plus on a une bonne montée.
On va bouffer les 10 blocs comme ça. Eh ben, j'espère que les arbres vont pousser parce qu'on va devoir en péter. Hop. Limite, on va se faire le bois juste à la fin. On se cassera une entrée pour aller chercher le bois qui a dû pousser maintenant. Je pense, hein. Ah la vache, ça fait des ouvertures titanesques. Sacré baie vitrée. Ah oh, bah là, on est limite dans une église, hein. On n'a pas ce qu'il faut pour en faire plus. Quoi qu'on va les casser, ils sont en hauteur, c'est que rien. Puisque j'ai fait ceux du bas. Alors, ensuite. Ah bah, on arrive à la fin. Ah oui, alors là, il va falloir qu'on en mette aussi. Tac. On va se mettre des vitres ici quand même. Puis on pourra clôturer cet épisode-là à la fin de la construction. Merde. J'espère que je vais pas faire trop de la merde sur la construction. En tout cas, ça va être une bonne chose de fait que la muraille soit terminée. Parce que ça manque un peu de propreté dans le design de la muraille pour l'instant dans cette ville. Voilà. Bon, on va aller chercher quelques bûches qui nous manquent. Avant qu'il fasse nuit, parce que la nuit est déjà en train de tomber. Quoi qu'il faudrait que je me récupère du bois aussi pour moi. Je me demande si on va un peu couper masse de bois et puis on verra bien après. Par contre, il faudrait que je récupère les pommes. Puisque ce qu'on discutait un petit peu pour la ville, c'est tout simplement que les pommes. Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo, je pense pas. Devront. Tout ce qui est du Nether, les pépites d'or du Nether, ne pourraient être utilisées que dans le Nether. Et donc, on se met soit contre les piglins, soit à la sortie, en fait, avec un vendeur de pommes d'or, par exemple. Auquel cas, les pépites pourront être utilisées pour créer des pommes d'or. Auquel cas, il faut beaucoup de pommes. Et il faudra probablement créer une ferme à pommes d'ici peu de temps. Je pense. Ça ne sera pas trop. Bon, après, c'est assez facile à créer une ferme à pommes, donc c'est pas vraiment le problème. Oh là 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 là. Bon, allez, on casse ces derniers blocs et on se casse. On a envie de me retrouver au milieu d'une armée de zombards. Je sais bien que t'es sympa, toi, mais bon, t'es dans l'eau. Donc, tu vas pouvoir me sauver grand-chose. Hop, 31 de bois. Nickel. Et bon, on va se mettre en créatif et on va pouvoir observer un peu cette nouvelle création. Game mode créatif. Ah, de l'extérieur, ça claque. Faudra péter un peu la montagne. Là, il y aura l'espèce de mosquée. Donc, il faudra qu'on fasse un accès, probablement un petit pont qui monte de là à là. Donc, on pètera ce truc-là. Ça dégagera un peu la vue par rapport à la muraille. Et puis, limite, on va le péter tout de suite. On va le péter en créate parce que de toute façon, c'est pas bien important. Ça nique un peu quelques blocs de terre, mais au moins ce sera fait.
Ah, péter plus que ça là. Tac. Voilà. Ça dégage déjà un peu la vue. Bon, faudra améliorer le caillou un peu pour construire. Parce que là, bon, il a vraiment une sale gueule. C'est moins pire, c'est moins pire. Bon, je pense qu'on peut encore améliorer ça. On est pas mal là comme ça. Voilà, là on a un vrai terrain dégagé. Faudra juste qu'on le rende un peu plus propre parce que du coup là j'ai foutu des coups vraiment dans la pierre et tout. Mais là on a un terrain plus dégagé déjà. Voilà, on voit un peu plus la muraille. D'ailleurs qui mériterait d'être un peu améliorée de ce côté-là. Avec une montée en bûche. Bon, qu'on va faire en créatif, c'est pas grave, 4 bûches, hop, voilà. Et ben la muraille est vraiment stylée en vrai. Ah, il manque les petits poteaux à l'extérieur en slab. Parce que ouais, je l'avais, ce que je vois, je l'avais pas fait ici non plus. What the... Quoi? C'est quoi cette merde? Il y a des assauts de zombies, je me rappelais. Ah mais oui, je crois que j'en avais vu un déjà à la ville. Je crois que j'avais vu ça. Alors on va juste mettre un petit peu de... là pour rendre ça plus propre. Ah les gars, vous arriverez pas à passer, ça sert à rien d'essayer hein. Je vous le dis tout de suite. Allez, barrez-vous. Rien d'autre à faire que d'essayer de bouffer du villageois. Non? Bah, ça se comprend. Casse-toi, toi. Merci. Coopératif, les zombies. Hein. Peut-être un peu plus que les villageois, finalement. Bon, finalement, on ouvre. Je veux plus que des zombies à l'intérieur. Des zombies à la place des villageois. Ils seront plus coopératifs quand je construis. Alors, et ben la muraille est terminée, je crois, de ce côté-là. Ah, le village a vraiment de la gueule. Hein. Une armée de zombies, hein, c'est incroyable. C'est complètement fou. L'espèce de truc là, on fera le passage ici, là, le long. Creuser dans la montagne sera parfait. On va le faire tout de suite un peu plus parce que là, en vrai, c'est un peu décevant quand même. Alors, on va poser des torches.
Ouais, ça fera un petit tour. On l'aménagera un petit peu avec peut-être un petit jardin ou quelque chose comme ça. À moins qu'on y fasse, voilà, le métro, je sais pas encore. Mais bon, déjà, le fait est que la muraille a quand même sacrément de la gueule. Elle est construite un petit bout là-bas. Ce qui va manquer, c'est cette petite portion-là. Mais celle-ci, je dirais qu'elle est un peu particulière. Faut que je trouve comment l'améliorer et l'adapter à la porte qui est là-bas. Ce qui était un peu con au niveau construction d'ailleurs. Je pense qu'on sera obligé de faire une espèce de grande porte. Et là, la construction, elle sera simple. En fait, on va peut-être se faire un peu plus de murailles, mais pas la prochaine fois. Je pense qu'on fera autre chose. Et je reviendrai sur la muraille plus tard pour terminer juste le petit bout qui manque là. Et puis, ben après, ce sera la porte qu'il va nous falloir ici. Et puis, ce sera bon, hein. Il y aura la place centrale ici à créer ici. La mosquée à créer là. J'ai envie d'un beau dôme, quelque chose de bien rond. Alors moi je sais vraiment pas comment faire ça, mais je pense que Stup saura être à la hauteur de cette construction. Mais sinon voilà, on est vraiment bien. Petite muraille qui a vraiment de la gueule. Qui est vraiment stylée. Avec un village, ma foi, vraiment sympathique. Bon, et ben je pense qu'on va se terminer là-dessus. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine construction. Je vais me déco à la maison. Touk. Accélération. Voilà, et on va se mettre juste devant le coffre de construction. Limite, on va tout déposer d'ailleurs, j'ai pas envie de dire. Au moins, ces trucs-là. Voilà, les vitres. Tac. Ah, on va peut-être faire copuler nos moutons une dernière fois. Voilà. On va se faire ça avant de se déco. Alors, les moutons, ils ont grandi. Le champ, pas tellement. Alors ça, faut que j'améliore ça. Je suis bête, en fait. Il y a un... Et une autre façon de faire ça qui est bien plus intéressante. Mais que j'avais pas tilté en fait qu'on pouvait faire ça. Ah oui, c'est vrai. Cactus qui pousse, ok. Les moutes-moutes. Ah, est-ce que j'ai du blé? J'ai pas de blé dispo. On va aller check un peu ce qu'il y a. Ce qui est tombé dans la machine à poulpe. Il y en a un peu de bordel. Hein. On va se mettre ça là, comme ça on verra la prochaine fois ce qui a été poussé. Ah, la machine à poulpe, putain, elle produit à balle, en fait. On va se mettre des poches d'encre à vendre là-haut. Un stack de poches d'encre? C'est vraiment beaucoup. Comme. Oh, c'est pas possible, il n'y a pas fait un stack aujourd'hui. Il y avait forcément déjà des poches d'encre. Oh, il y en avait peut-être un peu, mais. Ah, merde. Quand les TPS du serveur sont trop élevés. Alors, poches d'encre. Teinture. Voilà. Ouais, on commence à en avoir pas mal, hein, des teintures d'encre noire. On est pas mal du tout. Eh ben écoutez, sur ce, on va pouvoir se laisser. J'ai gardé du stuff qui sert pas spécialement en construction, donc c'est bon. Je ferai pas trop de la merde avec, normalement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.